Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter très rapidement, parce qu'on a des personnages, on a des choses comme ça. Je vais vous présenter un petit peu les machins qui font du bruit derrière moi, qu'on appelle des instruments de musique, qui sont en plusieurs petites familles. Nous avons la première famille qui sont les cordes, avec le plus petit, le violon, donc nous en avons deux. On peut avoir trois notes de violon, choisis-les bien. Un tout petit peu plus gros que le violon, nous avons l'alto. Est-ce qu'on peut les avoir l'un à côté de l'autre pour voir la différence de taille? Voilà, donc il est un peu plus gros, donc il est un peu plus cher. C'est pas vrai en plus. Alors... Très bien. Encore un peu plus gros, nous avons derrière moi, alors lui il est obligé de jouer assis, parce qu'il est fainéant, c'est le violoncelle. Encore beaucoup, beaucoup plus gros, et qui n'est pas obligé de jouer assis, mais on va le faire quand même, la contrebasse. Derrière, nous avons une autre famille, ce sont les vents. On appelle ça les vents parce que, tout simplement, on souffle dedans. Alors, on va aller de celui qui souffle moins à celui qui souffle plus. Je rigole. La plus aiguë, la flûte. Traversière, plutôt. Le hautbois. Le hautbois qui est venu avec deux instruments, c'est-à-dire que là on a entendu un hautbois, on va faire un hautbois un peu plus gros qui s'appelle le cor anglais. Ensuite, un autre instrument qui ressemble comme ça de très très loin, mais qui n'est pas du tout le même, c'est la clarinette. Ensuite, nous avons peut-être l'un des plus beaux, le basson. Ensuite, on a une espèce de tuyau enroulé, là, une espèce d'escargot, c'est le cor d'harmonie, tout à fait. Ensuite, derrière, on a un musicien pour jouer, alors là, il n'y en a pas tant que ça, des fois, il en joue bien plus, mais une énormité d'instruments, les percussions jouées par un percussionniste et qui tape un peu sur tout ce qui bouge ou ce qui bouge pas. Donc oui, par exemple les timbales. Et par exemple le glockenspiel. C'est un peu de marche. Et enfin, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, un instrument merveilleux aussi, qui est moins souvent dans les orchestres, mais on a la chance d'en avoir un avec nous, le piano. Et on a un instrument que je ne vous ai pas présenté, mais vous allez voir, il va se présenter tout seul en le faisant. C'est notre conteur qui va maintenant vous raconter, dans le silence le plus absolu, parce que vous allez tout écouter, la princesse au petit pois. Oui, c'est marqué sur l'affiche en même temps. Je suis un conteur bleu. Je suis un conteur bleu.
Il était une fois... Il était une fois un prince, et tous les matins, ce prince montait sur son cheval et partait de royaume en royaume afin de trouver une princesse à épouser. Il était très beau, très gentil, et il avait surtout un magnifique regard. Malheureusement, il ne trouvait jamais de princesse et il rentrait tous les soirs, triste d'être seul. Reprenait et repartait courageux tous les matins. Son père, le roi, était un curieux personnage, boiteux. Il était bon et généreux, mais il était très maladroit tant dans ses gestes que dans ses mots. Il arrivait souvent en retard, ou bien alors il oubliait sa couronne. Son fils
plus que tout au monde, et tenter aussi de lui trouver une princesse. Faisant jouer ses relations avec les rois des pays voisins, autant vous dire que ça n'était pas très efficace. La reine, elle, était une femme plus sombre. Elle était très méfiante. Et cela lui convenait tout à fait que son fils ne trouve pas de princesse. Car aucune ne serait assez bien pour lui. Elle pouvait se montrer froide et menaçante. Par un après-midi d'été, le prince était, comme à son habitude, parti en quête de sa future épouse. Le roi s'était mis en tête de cultiver un petit potager dans la cour du château. Et la reine se cachait du soleil brûlant. Des nuages arrivèrent assez vite et on entendit gronder le tonnerre. Quelques gouttes se mirent à tomber. Le vent se leva. L'orage ne semblait pas loin. Les bourrasques de vent s'intensifiaient. Il pleuvait des cordes. Le roi se précipita à l'intérieur du château, trempé jusqu'aux os. La reine ouvrit les volets de sa chambre pour contempler le spectacle qui la fascinait et la remplissait de joie.
lorsque l'orage se calma enfin, c'était le début de la soirée. La nature semblait plus sereine que jamais. Le soleil déclinant faisait briller les feuilles des arbres. Les oiseaux se remettaient à chanter. Mais dans ce calme, une jeune femme effrayée courait, trébuchait, se cognait aux branches. La pauvre était couverte de boue, trempée, et sa robe était déchirée en plusieurs endroits. Elle courait affolée. Elle vit un château au loin et décida de s'y rendre. Elle claqua la porte du château. Tout était sombre. Il fallut un temps pour que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Elle découvrit petit à petit la riche et délicate décoration de la pièce dans laquelle elle se trouvait. Tout l'émerveillait. « Oh, comme j'aimerais vivre dans un tel lieu !» se dit-elle. Elle vit qu'elle n'était pas seule. La reine sortit de l'obscurité et s'approcha d'elle. « Qui êtes-vous ? » « Je suis une princesse. » « Une princesse habillée en haillons et couverte de boue ? »
J'ai été surprise par l'orage. La reine se calma. Elles discutèrent. Elles discutèrent longtemps, mais la reine doutait toujours. Cette jeune femme n'avait rien, vraiment rien d'une princesse. Elle lui proposa malgré tout de rester dormir au château et lui fit préparer une chambre. Elle demanda à ses serviteurs de lui préparer un lit digne d'une princesse, vu que la jeune femme disait en être une. Ajoutez un matelas. Un autre. Un édredon en plume d'oie en plus. Un autre. Encore un matelas. Puis, il lui vint une idée. Elle se rendit à la cuisine et se saisit d'un petit poids. Elle le plaça sous le matelas le plus bas du lit. Votre chambre est prête. La jeune femme s'installa dans le lit et elle n'eut aucune peine à s'endormir. Le lendemain matin, dans les couloirs du château, une silhouette se déplaçait maladroitement en boitant presque. Ce n'était pas le roi, mais la jeune femme. Thank you.
Lorsque la reine la vit, elle lui demanda si elle avait passé une bonne nuit. La jeune femme répondit alors « Oh, horrible ! Le lit était douillet, comme jamais, bien chaud, mais alors une petite chose m'a gênée toute la nuit. Regardez, je suis couverte de bleu !» La reine écarquille les yeux et voyant les bras que lui montrait la jeune femme, pour qu'elle ait été gênée par un petit poids qu'elle avait placé juste sous le matelas le plus bas du lit, il n'y avait qu'une seule raison. Mais alors vous êtes une princesse ? Le prince entra dans la pièce, resta figé devant la beauté de la jeune femme. Leurs regards se croisèrent et ils rougirent instantanément. Les jeunes gens restèrent muets à se regarder un long moment. La reine comprit que l'amour était né entre eux. Elle décida d'organiser le plus beau des mariages. Ils furent heureux toute leur vie. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et savez-vous ce que l'on a servi au repas de noces ? Des petits pois !